de la communication et de la bienveillance. Vous êtes égal. Améliorer les ennemis même. Atteindre. C'est reconnaître ses torts. Mais capable de provoquer des capacités. Avoir beaucoup de sagesse. Les choses sont faites ainsi, on ne peut pas être dans le contrôle. Ne soyez pas dans le contrôle. Dites-moi bien ça, que si vous c'est un cercle vicieux et vous devenez d'avoir cette espèce de raisonnement toujours pour que les choses marchent. Tu dois accepter chaque chose qui se présente dans ta vie. Tu dois ressentir chaque chose, chaque vibration autour de toi. Tu ne dois pas être dans le contrôle à l'extérieur et ainsi que le contrôle de l'intérieur. Tu dois accepter absolument tout ce qui se passe. Donc, patience, mais pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Non. Non. Inaya, elle a gagné. Inaya. Coucher, fait le mort, que le chien il va. Ça le rappel, c'est la technique la plus dite. Même derrière la difficulté se trouve le résultat optimal. Je vais recommencer. Il faut attendre. Il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Si jamais vous voyez que votre chien n'importe quoi, vous allez réconcilier, vous allez avec bonne escience, d'être dans le bien. Pas, non, Tyson. Mon maître n'est pas acharné sur moi. Un chien ou n'importe quoi. Il y a la liberté, donc on doit accepter. On doit laisser de l'espace. Pas du tout cet endroit. On fait tout le temps les choses. Alors la patience qui est le bienvenu. Alors la persévérance qui suivra le parcours du résultat. Alors l'écoute dans le silence qui te permettra de te progresser. Être fortifié dans les moments les plus difficiles, lorsque tu te retrouveras seul avec toi-même. Si tu veux que ton animal fasse ce type de rappel à plus de 100 mètres, tu te dois d'avoir ce côté de pureté à l'intérieur de toi, de ton être et de ta conscience. Traite et véhicule les choses qui sont simples dans ton corps. Tout dépend de toi. Avoir l'importance dans cette vie-là. Parce que les choses ne se passent jamais comme prévu. Parce que les choses, nous ne pouvons pas avoir le côté toujours à contrôler. Que ce soit quelqu'un qui fasse de mauvaises choses. Que ce soit quelqu'un pour autrui. Qui est dans la provocation. Quelque chose qui vous met dans une position mal à l'aise. Vous devez l'accepter. Pour être meilleur, pour être plus fort et pour être au-dessus de tout ça. Le rappel en totale liberté, on enlève absolument tout. Pour que le chien il soit à l'écoute. Rappelez-vous du sixième sens, la nature. Soyez dans le silence. Si vous le sentez, c'est ok. Voilà, on sent bien en fait. On se sent bien, mais on accepte une espèce d'attente. Mais il sait ce qu'il aura derrière. Comme une détonation. Bougez. Boum, c'est bon. Rappelez-vous. 1, 2, 3, ok, donc pas pour bouger au chien, non malheureusement que de le non bon, ok, t'as été voilà, c'est malheureusement plus sage. Les Yuski non, hein, ils ont la sagesse, c'est peut-être là. Je vous le rappelle, ouais. Tyson, tu viens là. Si jamais on prend la laisse, on met la corde et tout ça, il y a facilité, il y a encore un poids. Le chien pas pareil, il est encore à le jour où le chien n'a plus rien, elle se balade, donc vraiment il y a pas de souci. Bon voilà, quand on est comme ça.